bien en cours. Émilie? Retourne en EPS, t'as oublié ton gilet. Et puis c'est le dernier jour, après tu pourras pas le récupérer. Ah oui, je retourne le chercher. Et donc, j'ai un truc à te dire. Vas-y. Non, vraiment en fait, je me demandais... Tu t'imagines pas plus tard? Je ne sais pas trop, non. Non, mais parce que tu vois, j'ai vu une poussette et je m'imagine. Je me savais dedans petite. Je m'imagine la poussant demain et me devinant dedans après-demain. Tel un vieillard dans une chaise roulante, ne pouvant plus avancer, mais contraint à y être quand même et roulant vers sa fin. Je finis ma démonstration. Si j'ai bien compris, tu te trouves, je me trouve et nous nous trouvons entre la première et la deuxième position sur trois, donc nous sommes à un tiers de notre vie. C'est vrai que la vie, c'est... Attention, Katia a son cours de philosophie. Qui viendra encore me faire le cirque? Des amours nostalgiques dans la poussière. Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière. Qui viendra me traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique. Faire jongler parmi les ballons pathétiques, des fois je panique. Je suis trop contente. Ah oui? Bah pas non. Pourquoi? Parce que tu vois, pour moi partir, c'est quitter ce que j'aime, ma stabilité. Toi, Katia et mes amis. Quitter, c'est à la fois grandir et désirer. J'aime mon insouciance et je la perdrai. Mais faut pas voir ça comme ça. Partir, c'est révéler qu'on est capable de se débrouiller seul. Quitter, c'est laisser partir. Alors, dire que quitter est difficile, c'est justifié. Mais dire que partir est difficile, c'est un peu retourner en enfance. Alors, laissons l'amour, la sagesse, la connaissance nous guider. Dans les deux cas, ça me laisse chaque matin un goût amer du temps qui passe. Oui, c'est vrai que d'un côté, t'as raison. Qui me... Salut les filles, ça va? Ça va et toi? Oui, vous attendez quoi? Bah tu vois, on est là avec Katia, on attend que la prof nous rende la blouse. Mec. Ok. Ah, elle est à la sainte. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Le temps est mon ennemi, le temps est mon ennemi, le temps est mon ennemi, le temps est mon ennemi. Le temps est mon ennemi! Attends, tu penses comme moi? Le temps, c'est la représentation linéaire de la vie courante. Il est représenté par une droite pointée d'une flèche. Mais comment se fait-il que le temps au moment présent ne réside pas à ce moment? Donc le temps passe à chaque instant, mais comment se fait-il que le temps passe? Telle est la question. Ok. Mais quand je ressens le temps, il m'oppresse, il devient mon ennemi. Le temps passe, mais à force de passer, on peut dire qu'il n'est plus là. Or, nous sommes toujours avec lui, donc nous bougeons avec lui.
Le temps est en constante évolution, c'est comme une force qui active la rotation de la Terre et qui la pousse à séquencer chaque instant de l'éternité. Ah mais je ne peux lutter contre une force d'une telle ampleur. Lutter, non, mais accepter. Nous sommes contraints à la pesanteur chaque jour. Et sans lutter, nous acceptons. On se tasse, on se court. Mais pourtant, on continue à vivre, à rire, à jouer. Le temps, c'est pareil, il passe. Mais l'avantage, c'est que nous pouvons aussi passer. Le seul problème que l'on pose, c'est pour nous un jour laisser la trace du temps passer là où il est. Waouh, la science m'apaise. Moi qui ne te pensais pas du tout philosophe. C'est pas bête. Je ne suis pas bête. Allez, croire en la vie, les filles. Et William Dubois un jour écrit ça. Nous aspirons à une vie pleine et heureuse. Pour l'obtenir, nous devons croire dans la possibilité du progrès. Si nous perdons cette croyance, nous souffrons. Et la vie devient sans objet. Aussi, nous devons croire en la vie. Donc allez, vivez, amusez-vous, quoi. Sur cette discussion qui, j'espère, vous aura fait avancer, je vous quitte, je pars dès ce soir en vacances. Salut Katia. Salut Morgane. Salut. Le temps passe. C'est vrai, mais il est toujours là. Certes, où on s'y attend. Est-ce que, eux aussi, ils se posaient ce genre de questions? Eux aussi, pensaient-ils que le temps passait trop vite? Avaient-ils la même perception du temps? Plusieurs milliers d'années nous séparent, et pourtant, le temps va toujours à la même vitesse. Rapide le matin, et toujours aussi vite l'après-midi. Thalès disait « Le temps est sage, il révèle tout ». Moi, je lui répondrais que s'il était sage, il ralentirait. Il disait aussi, le temps met tout en lumière. Si c'était le cas, les hommes seraient sages depuis bien longtemps. Regarde la météo.